Merci aux fidèles de l'émission, vous êtes des millions et ça va aller en s'accroissant car on est filmé par Virgin 17. Mais oui, c'est la grande nouveauté. Voilà une chaîne qui va devenir la chaîne la plus regardée dans 15 jours, 3 semaines. Mais bien sûr. Et nos invités cette semaine, Geneviève de Fontenay et Laurent Deutsch. Oh voilà, je vais mettre un petit bémol à toute cette joie pour vous faire part d'une disparition. L'ancienne formule est morte. Nous n'allons plus changer de titre chaque semaine. Ah cool. Julie, pour la simple et bonne raison que tu ne veux pas répéter les titres. Non. Donc ça ne marche plus. Ça a marché pendant 2 ans, mais ça ne marche plus à cause de toi. Donc je lance le titre définitif de cette émission. Voilà, l'émission s'appelle C'est quoi ce bordel? Et je pense que ça lui va très bien. Voilà. Bon, d'accord. Loin de moi l'idée de vous acheter. Cela dit, j'ai prévu un cadeau pour chacun d'entre vous. Ah. Alors à la base, j'avais prévu un coupé Mercedes pour chacun. Ah non. C'est Peugeot, moi. J'ai appelé le concessionnaire, ça pose un problème technique. Donc j'ai quand même dégoté des balais à chiottes. Oh non. On commence dans la dentelle, Laurent. Bravo. Ah bah, on commence par les sponsors qu'on a. Il y en a un par personne. Ah, ils sont jolis. Ils sont jolis. Ah, voilà, ah. Tant mieux maintenant. En couleur acidulée, très beau. Tiens, Geneviève. T'en as pas un rose, par hasard? Confonds pas avec ta brosse à dents, ça peut donner un goût. Non, mais un rose. Chaque fois que j'irai aux toilettes, je penserai à toi. Tu vas pas souvent parce que tu fais pipi dans les seaux à champagne. Oui, c'est vrai. Et je voudrais te dire quand même un problème que ça a soulevé, c'est que ça donne un petit goût au glaçon. Quand vous dites que vous penserez à lui, c'est avant ou après? Ah bah les deux. Laurent Deutsch, tu as écrit aux éditions Michel Lafon un bouquin incroyable sur Paris. C'est ta passion, l'histoire. Et puis voilà, ça s'appelle Métronome, référence au métro et puis à la taxinomie des rues de Paris. Oui. Et toute l'histoire. Alors c'est pas une mince affaire, c'est une somme. C'est un livre incroyable. C'est 2000 ans d'histoire. Voilà, et qui va donner le thème à l'émission d'aujourd'hui. Le thème, c'est Paris et la France, par extension. Paris, reine du monde. Hein. Voilà, on pourra couper Paris, cette Paris, c'est la première ville. Et n'oublie non, pas, et attends, la Sainte-Geneviève, c'est le 3 janvier, la patronne de Paris et la patronne de la gendarmerie en même temps. Mais on s'en fiche, Geneviève. Alors, on a une autre version pour le dire. On s'en bat les couilles. Ah, c'est parti. Geneviève, tu connais le principe du Mr. Chatch? Tu es déjà venue? Non. Non, tu n'es pas venue? Je suis toute nouvelle, toute naïve. Alors, il y a des gens qui explique, vont... Alors, on explique, oui. Explique, Julie. Alors, Julie Mr. Chatch, on a 2 candidats. Ils vont chacun subir une épreuve pendant toute la durée de l'émission. Alors, on va leur demander ce qu'ils comptent faire, déjà. Annick, bonjour. Bonjour, Laurent. Que fais-tu dans la vie, Annick? Je suis web conseillère. D'accord. Tu habites où, Annick? À Orly. On s'en branle, on coupera au montage les détails. Non, c'est sujet. Annick Dorly, alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant une heure, à l'aéroport? Annick je vais chanter les chansons sur Paris. Alors voilà, elle va chanter non-stop pendant toute l'émission. Ouais. Bah, y en et a. À tout moment, Laurent peut la mettre à l'antenne, il faut qu'elle soit en train de chanter. Ah d'accord. Voilà. Vas-y Annick. Hein. Je suis le poissonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour commence mal la croisière. Mais non, laisse-la. Moi j'ai des trous dans les billets. Fais des trous, encore des petits trous. Augustin, tu penses faire ton trou mieux qu'Annick, toi, personnellement? Oui. Tu comptes faire quoi pour la niquer? Eh bien, je vais vous lire le nom des stations des lignes de métro de Paris. Ah, mais il y en a combien? 350. 300, un peu plus combien, de 300, un peu plus je crois. De 300, ouais. Tu t'exprimes bien, t'as pensé? T'aimerais bien faire de la radio un jour? Tu me donnes le trac aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais t'es toute belle aujourd'hui, t'as fait quoi? Je suis magnifique, attends. Non, mais je c'est parce qu'il y a la télé. Mais évidemment. Parce qu'il y a Virgin 17, alors t'as fait un truc. Voilà, j'ai fait un effort, je suis la prochaine Miss France. C'est pas un effort, t'as fait, c'est un lifting. Elle est toujours belle, Julie. C'est pas un lifting. T'as mis du Botox. Malade, je sais même pas ce que c'est. Des pinces à linge dans le cou. Bon, explique à Geneviève. Annick et Augustin sont en compétition. Vas-y Augustin, hein. Vite. Ligne 1, La Défense, Pont de Neuilly, Les Sablons, Porte Maillot, Argentine, Charles de Gaulle Étoile, Georges V, Franklin Roosevelt, Champs-Élysées, Clémenceau, Concorde, Tuileries, Palais Royal, Musée du Louvre, Louvre Rivoli, Châtelet. Alors, ce que je vous demanderai cette année, les enfants, c'est de bien verrouiller les portes, qu'on ne soit pas emmerdé avec les Bogdanov. Je vous l'ai dit et redit, fermez les portes. Non, parce que après, on est envahi. Hein. On a mis un répulsif dans les couloirs, mais ça n'a pas marché. Alors, cette année, hein, on ferme les portes du studio. Je vous en remercie. Laurent Deutsch, donc, tu as sorti ce bouquin incroyable. Alors, on apprend 10 000 choses sur Paris. Et... Ça n'a pas traîné, ils sont là, les Bogdanov. Bah, on parlait de vous, justement. On a eu énormément de problèmes pour entrer. Hein.
Oui, pourtant, mais, j'espère mais que vous en aurez autant pour sortir. Attends, il va quand même dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, je tiens à le dire devant tout le monde, devant toi en particulier, parce qu'il se trouve qu'à l'entrée, on était bloqués. On a montré notre carte d'identité. De réfugiés d'origine extraterrestre. Non, non. Non, non. Qui est valable. Attends, non, non. Qui est valable jusqu'en 2100. 2100. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune raison pour qu'on le refoule. Mais ils ont refoulé. C'est pas croyable. Mais bon, appel SOS Veto, on va les faire piquer parce qu'on va t'emmerder, on va t'emmerder tout le temps. Donc le thème est Paris. Donc les premières choses qu'on apprend sur ton bouquin incroyable, Laurent, c'est d'abord Paris n'est pas à Paris déjà. Paris non, est né Paris, à Nanterre. Ouais, c'est Nanterre. On le sait depuis 2003 en gros. Bah ça moi, on m'a rien dit, hein, pas un coup de fil, pas un texto, rien. Bah, ils l'ont déjà détruit, en fait, c'est sur la 86, donc il n'en reste aucune trace malheureusement, mais on a déterré les vestiges d'une vaste agglomération qu'on ne trouvait pas sur l'île de la Cité. Alors certains cherchaient des explications en disant mais c'est parce que ça a tellement été, il y a tellement eu de passages l'île de la Cité que ça s'est exaucé de plusieurs mètres au fil des temps et il n'y a plus de traces et c'est normal. Mais en fait, l'origine, le berceau parisien n'est pas dans Paris, mais à Nanterre. Dans ton bouquin, oui, oui, hein. Ça balance pas mal à Paris. Il y a carrément des scoops. Ouais. Le roi d'Agobert était gay, il était avec Saint-Éloi. Mais ça, c'est une. Là, c'est de la hauting, carrément. Non, c'est de la rumeur balances. Républicaine. C'était pour bien montrer qu'on a bien raison d'être en République. Et on a inventé cette légende avec donc la fameuse chanson du roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Mmh. On supposait qu'il était donc. Il avait des rapports un petit peu chelous avec Saint-Éloi. Qui ah était bon, tais-toi, raconte. C'est showbiz et compagnie. Tout Éloi, c'était ce qui pouvait correspondre. C'était vraiment l'évêque qui l'éduquait et qui lui faisait son éducation religieuse, chrétienne et puis aussi administrative, parce que l'Église, c'est la première administration française. Et on l'a accusé donc d'être trop proche de Saint-Éloi et de se faire un peu tamponner. Ce qui n'était pas vrai. On l'a accusé aussi, on lui disait... Mais c'est culotte qu'on cause. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui se faisait secouer, quoi. Que Saint-Éloi secouait d'Agobert. Je viens de le dire. Tu peux traduire... Mais c'est culotte qu'on cause, oui. D'accord. Bah, écoute, on va terminer l'émission peut-être c'est dans ça, un, c'est ça dans que un que premier dire. Temps. En gros, c'est ce que je voulais dire. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question pour Laurent Deutsch. Oui. Quelle est votre rue préférée et votre arrondissement préféré à Paris? Bah, tous les arrondissements, en fait, c'est le propos de mon livre, c'est que je vais remonter le temps avec les stations de métro pour essayer de retrouver l'âme des la lieux. La Défense, Pont de Neuilly, les Sablons, Porte Maillot, Argentine, Charles voilà, de Gaulle. Ça, c'est Augustin. Hein. Georges V, oui. Franklin. Oui, dans son défi, tiens le coup, tiens le coup. Clémenceau, Concorde, Tuileries, Palais Royal, Musée du Louvre, Louvre. Alors, quelle est ta rue préférée? Ça dépend de mes envies quand j'ai envie de me retrouver dans le 19e. Ah oui, d'accord. Ou dans le Marais. On a compris. Vois, il y a un arrondissement. N'en rajoute pas. 300 stations. Voilà, Patrick. On t'enverra un cadeau. Non, mais il n'y a pas un recoin de Paris qui ne t'échappe. Ah, tu ça, connais ouais. toutes les rues. Ouais. Vraiment, il y a combien de rues à Paris? 5000. Ouais, 5000 et quelques. Ouais. Et tu mais moi, celles qui m'intéressent, c'est celles qui ont rapport avec la ville. Toutes les rues qui ont un nom d'emprunt, par exemple, d'un type qui y a vécu ou qui a eu un rôle à majeur, ça m'intéresse un peu moins quand il n'est pas lié avec l'histoire de Paris. La rue des Deux Boules. La rue des Deux Boules, c'est une enseigne. Une enseigne d'un café. La rue de la Pompe. La rue de la Pompe, alors c'est en rapport avec une fontaine, un puits, qui est une source qui est sous la maison de la radio, qui s'appelle Livette. D'ailleurs, il y a la rue de Livette, et on peut encore boire de l'eau de cette source dans les jardins du Ranelagh. C'est là Beauvais. D'ailleurs où ces dames font leurs courses et se mettent carrément en double file et gênent les autobus pour passer. Où ça, rue de la c'est Pompe, un problème. Geneviève a raison de le soulever, c'est un problème. La patronne de Paris a raison de faire la circulation parce que c'est gênant. Elles rue sont des là, mauvais garçons. Elles n'ont pas de contravention. Mais alors, rien. Que fait la mairie de Paris alors pour gérer la circulation? Ça, il faut demander à Delanoé. Hein. Eh ben, on va demander à son bras droit. Ouais. On accueille Christophe Girard. Ouais. Christophe Girard, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller à la mairie de Paris, à la culture. Vous êtes maire adjoint. Élu par le peuple. Ah, Christophe, vous n'êtes pas du tout concerné par la circulation, parce que c'est le problème pourquoi dont on va vous parler. Ici, je prends le métro, je prends un vélo, je monte dans des voitures, je prends des taxis. Non, je parle de la rue de la Pompe, parce que les chauffeurs de bus me disent toujours c'est la rue qu'on déteste le plus, parce que tous ces dames du 16e qui font leurs courses se mettent carrément en double file, sans problème, et n'ont pas de contravention. Alors, de quoi peut-on qualifier ces dames? Alors, il y a un adjectif qui coûte 50 000 euros dont on fera l'économie. Sans gêne et au-dessus des lois. Alors Christophe Girard, quels sont les grands projets pour Paris? Les grands projets culturels ou autres? Aucun, il n'y a rien. Non, l'idée c'est qu'on va faire une pause. Il n'y a pas un truc sur le feu, un musée Plein de choses, vous voulez que je vous donne la liste? Non mais oui, les grands projets, voilà. Oui. Alors, il y a l'ouverture rue de Rivoli. De Geneviève. Du premier... mais avec Geneviève, on fait plein de choses qu'on ne vous raconte pas en direct. Oh, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a des secrets. Voilà, des secrets, des vrais secrets. Alors l'ouverture? Il y a dans quelques jours l'ouverture 59 rue de Rivoli, du premier collectif d'artistes. Sur plusieurs étages. C'était un squat, ça. C'était un squat. Formidable. Voilà. Donc, vous l'avez officialisé, vous l'avez sauvé. On a signé une convention.
Les artistes sont installés là. Il y aura évidemment des roulements, comme ça se fait à Zurich, comme ça se fait à Amsterdam. Et les artistes ont... Ils sont beaucoup battus pour ça. Ils sont battus, on les a soutenus. Ça a mis un petit peu de temps parce que faire les choses bien, c'est très bien. Enfin, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Voilà. Bah, c'est-à-dire que je réserve selon les radios. Trois, oui, d'accord. Voilà. Les exclus, d'accord. Michel, bonjour. Michel, bonjour. Bonjour. C'est à toi, Michel. Bonjour. J'aurais voulu avoir une question à Mme Fontenay et à Laurent, à toi. D'accord. Tu veux pas nous parler de ton problème d'alcool avant, Michel? Parce qu'on peut aussi régler des problèmes perso, hein. C'est pas que culturel c'est ici. C'est presque du service public. Hein. Absolument. Oui, oui. Ah, c'est beau. Nous sommes toutes oui. Alors, Michel, vas-y. Je voulais demander à Mme de Fontenay, là, comment ça se fait que les jurys, éventuellement, lors des Miss France, il y a quand même beaucoup de personnalités du spectacle qui sont représentées. Alors, je pense qu'il serait intéressant d'avoir quand même des personnes plus anonymes lors de cette élection. Oui, mais c'est pas... Attends, si vous... je voudrais dépassionner... Ta gueule, alors. Non. Geneviève. Ça m'intéresse, ta question. Écoute, justement, c'est très pertinent. J'ai demandé à TV Mag de faire un sondage parmi tous les lecteurs et les lectrices pour savoir ce que les lecteurs pensaient. À 77%, ils ont répondu qu'ils voyaient l'élection de Miss France avec simplement le vote des téléspectateurs, qui, pour moi, je pense que ce serait le plus honnête. Parce que les régions voteraient suivant, bon, bah, s'ils votent bien, tant mieux, s'ils votent pas, tant pis, mais il n'y aurait pas de tricherie. Voilà. Parce que je pense qu'un jury, surtout quand c'est avec des gens qui viennent uniquement pour leur promotion, qui n'en ont rien à faire des candidates et tout... Par exemple, alors, n'importe quel connard sort un bouquin, et puis il vient. Alors voilà, alors c'est la porte ouverte, alors. Non, vraiment. Merci, Geneviève, merci. Non, mais quand Muriel Robin dit, on m'a demandé de venir au jury, je sais pas ce que je viens faire là, c'est pas mon truc. Darmon qui dit, oh bah oui, moi je vais sortir un CD, c'est toujours moi à prendre de 8 millions de téléspectateurs. Le Sardou drapé dans sa prétention et tout. Non, je trouve que c'est pas normal, et c'est vrai que maintenant la question est... Sardou. Il rappe dans sa prétention. Il était drapé. Ah, drapé. Et donc la balle est dans le camp d'Andemol et de TF1. C'est eux qui prendront maintenant la décision. Voilà. Voilà. Merci Michel d'avoir soulevé ce problème. Et pour Laurent, là. Oui. Je vais toujours admirer depuis vos débuts. Tu as beaucoup de goût, Michel. Je voulais vous demander de vous faire un petit peu sûr de vous, avoir même un petit peu un air arrogant, direct. Ce qui fait un peu votre cher aussi. Ça, il le dit qu'à la radio. Michel, on va t'envoyer un orthophoniste. Et on va te garder en ligne. On va te faire une petite séance et on va te reprendre après. Parce que c'est pour les auditeurs, là, c'est un peu galère, là. C'est quand même le dernier mec qui parle avec une cibie, quand même. Tu voulais dire quoi, Michel? Le fin fond de ta pensée, c'est quoi? Le fond de ma pensée, c'est derrière ton air un petit peu arrogant. J'ai l'impression que tu es derrière ton armure, que tu te forges. Pour moi, ceux qui ont compris peuvent nous écrire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es un homme quand même plus sensible, parce que c'est vrai. Non, mais Michel, tu as raison. Alors, derrière tous ces gros mots, il y a un cœur. Voilà. Et rien que pour ça. Et je vais te le prouver, Michel, c'est qu'on va t'envoyer un cadeau incroyable juste pour avoir évoqué ma sensibilité. Un balai de chiottes. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Michel? Non, je refuse. Bah, écoute, non. On va t'envoyer de l'argent. Si ça fait trop pour toi, tu nous renverras le reste. Au revoir, Michel. C'est Annick qui chante Paris. Tout en gris, tout ça change, souris. Madame, quand tu t'ennuies, tu fais les quais. C'est Léo Ferré, ça, non? Tu fais la scène et les noyers. Elle chante bien, hein. Bonne interprète. Ça prend l'air et ça distrait. C'est tout ce que tu peux faire causer. Ouais, c'est Léo Ferré. Mais les gens savent pas qui tu es. La mode piquée grenelle, Ségur, Duroc, Vano. Tout le monde descend. Alors, il y a des légendes sur Paris, les frères Bogdanov. Vous émettez l'hypothèse que ce soient les mammouths qui ont tracé la rue Saint-Denis. Alors, donc, il y a des c'est les blaireaux. Non, vous dites non, mais c'est on sait qu'ils ont été là, les mammouths, depuis à peu près, donc, entre moins 200 000 ans et... non, rien à voir. Il me montre, Jacques, moi, j'ai retourné, je ne vois même pas.
Allez, vas-y. Et jusque, cette légende, alors. Et jusque il y a à peu près 4000 ans. Donc ils se sont promenés un petit peu partout dans le bassin parisien. Ils étaient là, évidemment, à Paris. Et je ne suis pas certain que l'histoire de la rue Saint-Denis soit réelle. On a lu quelque part qu'en effet, ce sont eux qui... Des scientifiques. Hein. Pour aller... On a lu quelque part, je ne suis pas certain. Le pas de la chapelle. Ma voisine m'a dit, les Bogdanov. Hein. C'est vraiment les cartésiens, quoi. Les... Non, mais ils ont tracé. Ils ont tracé, en fait, des voies dans Paris, tout simplement parce qu'ils allaient s'alimenter en eau à la Seine. Il est certain, en tout cas, qu'il descendait la rue Saint-Jacques, parce qu'on a retrouvé donc... Je crois que ton frère a envie de pleurer, c'est normal. C'est vrai. Il est en pleine dépression, là. Il s'inscrit en faux dans ta théorie. Alors, Grishka, t'as toujours eu envie de tuer le frère. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, parce qu'en fait, les mammouths, il y a 100 000 ans, mesuraient à peu près 5 mètres au garrot. Pas tout à alors fait. Alors que ceux dont il parle, par exemple, il y a 10 000 ans, ils étaient très petits, à peine 1m80. Oui, ceux qu'on a retrouvés dans les glaces, là, étaient plus petits. Bah oui, voilà. Ouais. Non, je pensais à eux, en fait, je pensais aux petits. C'était plus facile à chasser. Ouais. En fait, ils ont été très très mis à mal par les réchauffements du climat et ils n'ont pas résisté d'ailleurs, puisqu'il y a 4000 ans, ils sont tous morts. Mais c'est quand même les premiers Parisiens. On va jouer encore. Hein. Oui. Je vous propose un jeu assez simple. Toutes les réponses commencent par Paris. Bon. D'accord. Alors, je voudrais un Paris gâteau. Hilton. Un gâteau célèbre. Le Paris-Brest. Une course célèbre. Paris-Nice. Paris-Nice. Paris-Roubaix. Paris-le-Nord, non. Paris-Roubaix. Oui, Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, voilà, c'est ça. Un journal avec les célèbre. Parisien. Un Troyen célèbre. Paris. Bravo. Une pute célèbre. Paris-Hilton. Paris-Hilton. Bravo. Bravo. Je vais chercher dans tout Paris. Une promesse célèbre. Paris vaut bien une messe. Paris vaut bien une messe. Ouais. Pas du tout. Non. Si la conversion. Bah, si Paris m'était compté. Si. Ah oui. Non, ouais. Une promesse. Un proverbe. Une promesse. Paris vaut bien une messe. Paris sera toujours Paris. Oui. C'est une promesse. Plus simple. Paris sera toujours Paris. Mais non, c'est pas la musique. Si, c'est la musique. Personne. Personne. Une promesse célèbre. Personne dans le public. Paris sera. Paris. Ah non, c'est le contraire, là, c'est les autres. D'accord. C'était Paris, Paris en tant qu'ul, ouais, qu'on entend beaucoup dans les stades. Est-ce que tu peux rappeler le classement du PSG, s'il te plaît, Laurent? Je sais pas, ça m'intéresse pas. Donc, Marine, bonjour. Oui, bonjour. Ah, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Donc, Marine, ta question. Oui, bonjour. J'aurais une question pour Madame de Fontenay, hein, s'il vous plaît. Oui. Oui, c'était pour savoir, j'ai entendu parler de mammouth il y a peu de temps. Quelle était votre mise préférée? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont pas très jolies et je me demandais comment ça se faisait. Hein. Ah, bah tu sais, ça fait plus d'un demi-siècle que je suis là, j'en ai vu passer des misses. Hein. Bah, j'en ai quand même beaucoup. On est passé des mammouths au thon quand même, c'est vrai. Que... Non. C'est vrai que maintenant, c'est plus ce que c'était quand même. Non, mais si, j'aime beaucoup Sonia, Linda Hardy, tiens, qui attend petite blonde que je n'aime pas du tout, c'était pour savoir ce que vous pensiez d'elle. C'est qui la petite blonde? Bah oui, la connasse. Avec un accent pourri, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Tu te rappelles pas du nom, en général, Miss France, tu devrais me dire le nom. Avec un accent. Du sud. Oh là là, celle que quand tu nous refais. Oh bah Alexandra, oh là là. Elle est très sympa. Oh, elle est charmante, ah, elle est contente de toujours, comme dit Cantelou, là, tous les matins. Ah oui, elle est bien, elle. Elle est un peu simplette. Oh non, c'est Cantelou qui la rend non, comme ça. C'est pas une lumière. Mais c'est pas... Oh. Bon, elle n'a pas fait l'école d'ingénieur, mais... Elle serait incapable de... En attendant, elle est quand même l'image. La légende dit qu'elle est tellement conne qu'elle pourrait même pas nous appeler. Non. Oh, elle est sympa. Elle est l'image du Conseil régional du Languedoc-Roussillon. C'est elle qui fait la promotion de Sud de France, de Fraîche, qui a dû penser une fortune pour ça. Il voulait faire ses petits manias, ça n'a pas marché. Il fait Sud de France, qui est une idiotie. Et de toute façon, c'est Alexandra qui a des affiches 4 par 4 partout. Donc tu l'aimes bien, toi, Alexandra? Oui, je l'aime bien. Si elle appelait là maintenant... Elle va se marier avec son rugbyman, là. Ah bon, c'est qui? Panis, comment il s'appelle? Mais c'est un cousin germain, il paraît, non? Non. Tu racontes son frère. Elle est adorable, Alexandra. Moi, j'aime bien... Si elle appelait là tout de suite, tu lui dirais quoi? Je serais contente de la voir. Eh bien, parle-lui, c'est elle. C'est vrai, Alexandra? Geneviève, je pense parisienne, plus personne ne me comprend. Ah bon? Tu te maries quand, Alexandra? Ah oui. On verra.
Alexandra. Elle réfléchit. Elle réfléchit encore. Faut bien réfléchir, Alexandra, avant de s'engager. Oui, hein. Oui. Il y a moyen de te pécho avant ou pas, ou tout est verrouillé? Je suis encore sur plusieurs propositions, mais bon, je suis encore en train de me décider, voilà. Mais oui, mais on peut rajouter 50 euros en plus, nous, hein, c'est quand même... ce sera sûrement un grand mariage. À Montpellier ou à Béziers? À Béziers? On verra. T'as envie de Béziers ou de Montpellier, toi? La grande motte, tout le monde, la grande motte, c'est évidemment. Bon. Voilà. Un gros bisous, Alex. Gros bisous. Au revoir, Alexandra. On vous embrasse. Restaurant de Pigalle, Annick, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne les succès du tour. Place de Vichy, Liège, Saint-Lazare, Miroménil, Champs-Élysées, Clémenceau, Invalides, Varennes. Christophe, Gérard doit partir. Est-ce qu'on peut faire un petit jeu avant, un petit jeu culturel sur Paris, des films qui ont été tournés à Paris? Voilà, je donne un indice, c'est une énigme, vous devez me trouver le titre du film. Passe-moi le beurre. Oui. Le dernier tango à Paris. Ah oui, bah minute. C'est les journalistes qui répondent ou c'est les invités? Tout le monde joue. Tout le monde joue. Les stars qui répondent. Une chanteuse dans les transports en commun. Zazie dans le métro. Bravo, oh. Il est trop fort lui. Ouais. 45 rue Poliveau. Oui, la traversée de Paris. La traversée de Paris, oui. Bravo, ça va vite. Hein. Obama chez nous. Obama chez nous. Obama chez nous. Obama chez nous. Centre Georges Pompidou. Merci beaucoup. Pardon. Bravo monsieur, vous gagnez un cadeau. Presque grosso. Modo. Quasimodo. Quasimodo. Ah, bravo. Notre-Dame de Paris. Et pour finir, le couple adultère du briquet en or. La vache, le couple adultère. Il y a un jeu de mots, ouais, Deux ans de travail, hein, des nuances. Goldfinger, non. Non, le couple adultère, ça n'a pas été tourné à Paris, Goldfinger. Non, mais on ne sait jamais, ça se tente. Non. Les amants du Pont Neuf, oui. Bravo, les amants du Pont Neuf, le briquet du Pont Neuf. Bravo, bravo, monsieur. Un triomphe. Merci, Christophe Girard. Merci beaucoup. Et comme on n'aime pas les sièges vides dans cette émission, on va combler ce siège avec Helmut Fritt. Ouais. Pour l'intérieur, hein, c'est en travaux. Hein. Tu aimes bien les frères Bogdanov? Ah non, pas du tout. Bon. Vous êtes dans les feux de l'actualité avec un album incroyable qui s'appelle En Observation. C'est ça.
Et vous avez fait un titre sur les Miss, alors qui a beaucoup énervé Geneviève. Ah non, pas du tout. Au début, parce qu'on disait c'était un Allemand. Alors je dis, qu'est-ce que l'Allemand vient s'occuper de Miss France? T'es rancunière, oui, c'est le cas. Mes parents disaient, tiens, voilà encore un repas que les Boches n'auront pas. Alors je me rappelle, évidemment. Ah non, quand j'ai su qu'il était Lorrain, moi je suis Lorraine, alors j'étais Pierre. Comment ça, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ta réaction au début. Geneviève. Ne renie pas tes racines. Allemand du Nord, hein. Rheinbeck, petite ville d'Allemagne, rien à voir avec la Lorraine. Hein. Mais quand il a sorti Geneviève, comme un pivert, là, dans les yeux. Quand tu as sorti ce titre, tu as dit... Oui, je savais pas, je connaissais pas. Oui, ça t'a énervé, tu as dit ça m'énerve. Tu as dit cette chanson m'a fait vieillir de 20 ans. Ah non, j'ai pas dit ça. Non. Ne prends pas des rêves pour des réalités. Helmut Fried, chantez-nous la chanson et on va juger sur pièce. Voilà, enfin! Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Toujours dire bonsoir au public. Ce morceau n'a pas été sponsorisé par Saint-Algue, merci. Alors, Helmut, tu sais maintenant que Chloé Morteau, Miss France, est revenue avec l'écharpe de cinquième dauphine de Miss Univers. Elle était dans les 10 finalistes, oui, c'est ça?
Eh bien, ça ne nous est pas arrivé depuis longtemps. Eh bien, chapeau. Ah, ah, tu feras un autre, tu feras un autre couplet. C'est... Yvette, bonjour. Bonjour, Laurent. Ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. C'est mignon, Yvette. Oui. Ta question, Yvette. Alors, c'est une question, Madame de Fontenay. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, les Parisiennes sont toujours les plus jolies, les plus élégantes du monde dans ces temps? Non, je crois pas. Ah bon? Non. Elles se sont fait griller. Je pense que l'Italie nous bat. Tant on rencontre toujours de très jolies filles. Ah oui, il y en a encore, mais je veux dire, c'est plus l'élégance que j'ai connue. Qu'est-ce il y a que tu leur reproches années. Alors maintenant sont... bah, elles font un peu cracra maintenant. Non, des blue jeans avec des trous, voilà. Les baskets dégueulasses. Avant, quand j'étais jeune, oui. Si tu avais un trou à ton jean, c'était la honte. Aujourd'hui, bah oui. C'est la mode. Ah bah oui. Et plus il y a de trous, avant, plus il y a de fille... trous, plus c'est cher. Oui, en plus. Oui, mais alors... ça, c'est encore autre chose. Par exemple, quand j'étais jeune, une fille qui portait un string, c'était une salope. Aujourd'hui, c'est une voisine. Non, mais il y a eu beaucoup d'évolution. C'est déjà passé de mode, ça, tu vois. C'est fini, ah les bon strings. Oui. Tu en as mis un une fois, on aurait dit que Charles Cutricor, tu m'as dit, non jamais. Qui m'a dit ça? Jamais. T'as jamais essayé? Non. D'accord. On n'en saura pas plus. C'est plus confortable. Oui, j'ai du mal à visualiser ce que tu me racontes. Pierre, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Geneviève, bonjour Helmut et bonjour Julie. Bonjour. Et Laurent Deutsch, alors. Ça m'énerve de ne pas être avec vous dans le public. Ah bah faut venir. Tu sais pas ce que tu rates, hein. Toi non plus. Oui, alors j'ai une question à poser à Laurent Deutsch. J'aimerais savoir pourquoi la rue de Rennes commence au numéro 21. Haussmann. Haussmann, ouais. Elle se prolongeait plus loin. La rue de Rennes, oui. Quand on a fait les destructions, quand on a créé le boulevard, le boulevard Saint-Germain, donc qui éventre Paris de la rive gauche, on a sectionné la rue de Rennes et donc elle... Un envoyé spécial rue de Rennes, Pascal Selem, bonjour. Allô. Pascal Selem, vous êtes rue de Rennes? Mais en fait, je suis pas du tout là, je suis à la Tour Eiffel, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, vous êtes à la Tour Eiffel? Ouais. Ah pardon, alors décrivez-nous ce monument typiquement parisien, s'il en fut. Bah, la Tour Eiffel, c'est un truc en fer, c'est grand, qu'est-ce que je te dis, moi. Non, c'est vivant, ça fait vivre l'émission. Oui. Eiffel, ça s'écrit E-I-F-F-E-L, parce que parfois on fait souvent la faute, on met pas le I. C'est pas Gustave Eiffel qui a fait la Tour Eiffel? Non. Non. Non, c'est ses assistants. C'est sa compagnie, en fait, c'est Maurice Koechlin et Émile Nouguier. Voilà, tu veux savoir d'autres trucs? Pascal, tu nous prends combien pour cette rubrique concrètement? Bah, comme on avait dit, hein, 500 euros. Le... Ouais, ça va pas le faire, Pascal. Puis là, il y a des boches. En fait, il y a quand même des. Y a, tu vois, il y a des gens. C'est un peu chiant comme truc. Ça va pas le faire, Pascal. Essaye de faire vivre un peu cette émission. Rappelle-nous, je sais pas, va à l'étoile, fais-nous vibrer, fais-nous rêver. Tu veux pas que je te ramène un petit souvenir? Si tu veux, Pascal, mais on va te reprendre tout à l'heure. Mais allez-y, posez-moi des questions. Je suis au taquet sur la Tour Eiffel. Là. Je viens de faire chier la nana. Non, mais on a déjà fait une émission sur la Tour Eiffel, Pascal. Ah bon? Ouais, où elle a été construite? Elle a été construite où? Bah, à Levallois. Levallois, les tout ateliers d'Eiffel. Jean-Charles, bonjour. C'était quoi? Jean-Charles? Il est mort. Il est mort. PF son âme. C'est quoi ça? Jean-Charles, c'est toi? Non, c'est Jean-Claude. Ah, il n'a pas apprécié qu'on l'appelle Jean-Charles. Vas-y, Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, pour Laurent, une petite devinette pour calmer le jeu un petit peu. Alors, Laurent Deutsch. Bonjour. Pas bien. Bonjour. Il t'aime pas. Vu le ton de la voix, c'est un mec qui t'aime pas. Avec son bouquin à la noix. Pourquoi la Seine passe à Paris? Pourquoi la Seine passe à Paris? Ça, c'est une bonne question. Ah, voilà, écoute, je vais téléphoner à Dieu, puis je te rappelle. Grishka, vous voulez réagir à chaud sur il faut ce réagir débat? Absolument à chaud. Parce que très, très important. D'abord, on pourrait inverser et se demander pourquoi. Oui, Jean-Claude, maintenant, mais coupe pas la parole. Jean-Claude. Oui. Voilà la réponse. Il y a 40 millions d'années, sur le bassin parisien, il y avait une mer. Une mer qu'on appelait la mer Estampienne. D'ailleurs, Laurent, tu... Ah non, ça, je ne savais pas. Enfin, je ne suis pas allé remonter si loin, là. Ça, je vous laisse faire. Là. C'est plus mon domaine, là. C'est comme ça qu'effectivement, on a appelé la ville des Tempes au moment où la mer s'est retirée, il y a 35 millions d'années. C'est pas et le père qui se retire, suite... d'habitude? Non, c'est... Et ensuite, il a raison, parce que là j'ai introduit. Oui, t'es pas le seul. J'ai introduit un doute. Et donc la mer Estampienne. Se retire. Et le bassin parisien, effectivement, est le résultat d'un effondrement. Il y a par exemple, il faut savoir qu'il y a 250 millions d'années,
Le bassin parisien était beaucoup plus haut. Il était à peu près à 2000 comme mètres. Comme le bassin au-dessus. De Julie, hein, y a... Oui, Laurent, allez, ça lui fait plaisir. Il dit ça des conneries plaisir, sur moi. C'est, ouais, c'est toujours très agréable. Alors, à 2000 mètres d'altitude, et c'est donc, quoi au cours des différents événements géologiques, le bassin parisien descend. Et par conséquent... Jusqu'à t'en as pas marre de la drogue, t'as envie de t'en sortir aussi. Ça y est, on y est arrivé. Et donc, la mer se retire et laisse effectivement une espèce de lit fluvial qui va devenir un fleuve extrêmement large, qui est donc la Seine d'il y a très longtemps, il y a quelques centaines de milliers d'années, qui rétrécit petit à petit et qui laisse effectivement dans son sillage le fameux bassin parisien avec la Seine au milieu et les Parisiens qui vont s'y installer, qui vont commencer à boire après les mammouths. Voilà Jean-Claude, quel que soit ton prénom, voilà, c'est une belle leçon de culture générale. Mais c'est pas la réponse. Hein. Alors c'est quoi ta réponse? C'est quoi? Débarrasse-toi de ta connerie. C'est beaucoup plus simple que ça. Vas-y. C'est parce que y a trop Trocadéro. C'est quoi la vanne? Il y a trop Trocadéro. Voilà, c'est tout. Attends, pourquoi la Seine passe à Paris? Vous avez demandé les urgences psychiatriques. C'est ça, Paris. Vous avez demandé les urgences psychiatriques, ne quittez pas. Mathias, bonjour Mathias. Attends, j'ai un petit truc parce qu'il a parlé du Trocadéro. Excuse-moi Mathias, Mathias, on te reprend tout de suite. Mais oui, Mathias, on n'aime pas ta gueule, rappelle une autre radio. Une petite anecdote sur le Trocadéro, au-delà l'origine de la ville du Trocadéro. Mais ce qui était un truc marrant, quand j'étais petit, j'ai grandi dans une cité à Bobigny où souvent les alors tu vendais du shit pour t'en sortir. Non, pas moi, mais justement. Et tu as mis ta mère sur le tapin et tu as écrit un bouquin là-dessus. Ceux qui allaient faire du trafic, ils disaient on se retrouve au 340. Et les flics, la police, enfin tout le monde, on ne savait pas ce que c'était que le 340, dans Paris, le 340. Et on a compris très tard que c'était 340. Et se disait, on se retrouve au 340, donc voilà. Formidable. Formidable, comme anecdote, Laurent Dodge. Alors, j'ai préparé un petit texte. Qui parle? Qui parle dans le fond? Il y a un monsieur qui parle. Bonjour monsieur, tu peux fermer ta gueule monsieur? Le barbu. On va te clouer, hein, on en a cloué d'autres. Hein. C'est toi qu'on entend, hein, Jésus. Hein. Ne reviens pas, sois gentil. Restons dans les stations de métro, j'ai écrit un petit texte et j'aimerais que vous me disiez le nombre de stations de métro qu'il y a dans ce texte. Vous êtes prêts? Oui. Alors on compte. Bonne nouvelle. Le 4 septembre, rue de la Pompe, j'ai rencontré Madeleine, une Argentine invalide et volontaire, pleine de gaieté, qui sentait bon le jasmin. Elle ne parlait pratiquement pas, mais elle était frigide. Pour la muette, vider mes bourses ternes était le cadet de ses soucis. Je l'appelais la glacière blanche et pour elle, j'étais son grand bêta. Certes, ce n'était pas une Lumière ni une bête de Goncourt, mais sa fourche, sa mode piquet, son vavin, son envers avec sa petite porte dorée, mais c'était bien plus que toutes les petites femmes de Pigalle. C'est formidable. Bon, j'en ai 20. Moi, j'en ai 22. 27. 20. 27, non? Non, 24. Il y en avait 24, bravo, Hugo! Ouais, mais moi, non, mais. Grand bêta, elle est pas valide. Grand bêta, elle est pas valable. Elle est pas valable, ça fait 23. Ah, ça j'ai fait... pas compté celle-là. Ah ouais, bah oui, j'ai pas bêta. Compris pourquoi il y avait 24, grand bêta. Ça fait deux douzaines, alors qui a inventé la première douzaine? C'est très difficile parce qu'en fait, c'est la question qui revient à savoir qui de la poule ou de l'œuf. Alors voilà, qui était là avant qui était là en premier, la poule ou l'œuf? Non, en fait, c'était l'œuf. C'était l'œuf. Pourquoi? Parce que dans l'œuf, il y a l'œuf. Si tu veux, l'œuf, c'est le programme. Il a été écrit évidemment par quelqu'un. Gilles. Oui. Bonjour à tous. Merci. Moi, j'ai une petite question pour Laurent, pour savoir s'il sait parler le Titi Pario. Tu veux savoir si je dégrossis le jar? Bon, alors j'y vais. Donc, ce matin, j'ai taraudé une polco contre des pépapions. Je me suis fait griller par des matuches. Ils m'ont emmené direct à la maison Poulaga. Mais c'était pas, c'est pas super parisien, ça, matus, là. C'est quoi? C'est des roussins? Bon, en fin de compte, je sais pas trop. Ah oui, c'est ça, non, mais c'est pas parisien l'argot là que t'as employé. Pour répondre à l'argot parisien, le vrai argot parisien, il a été popularisé par qui en fait? Bah, il y avait le grand couvert de toute façon. Au départ, l'argot parisien. Je crois qu'on fait partie d'un circuit touristique. Touristique. Il y a des Japonais qui nous photographient, figurez-vous. Ce sont des Japonais. Bah ouais. Vous parlez français, monsieur? C'est un guide. Geneviève des Fontaines, vous savez. C'est un monument, t'es un monument. Ah oui. On peut pas voir l'intérieur, hein, c'est en travaux. Julie de Rizzo, monsieur. Des monuments historiques. Ah. On a un autre monsieur qui n'est pas. Monsieur, mettez-vous. Prenez la place d'Helmut quelques secondes, monsieur. Ah oui, vous parlez. Un chapeau. Vous faisiez des photos tout à l'heure. Roland Dodge, moi, il m'a dit.
Vous parlez français, monsieur? Je comprends tout, je suis très mal. D'où êtes-vous, monsieur? Je suis Biélo-Tchéquie. Ah. D'accord. Et moi, ils mettent des chapeaux là-bas. Et vous êtes venu pour visiter Geneviève également? Bien sûr. Bien sûr, je viens de Fontenay, tout dit Paris, Mostiesne, Foscada, Friosnesse, Bigalus et Bon Pinard. Si. On comprend les grandes lignes quand même. Ouais, ouais. Votre prénom, dit. Monsieur. Votre, toi, prénom. Comment t'appelles? Prénom. Jean-Pierre Oski Sapine. Sapine. Ça vous fait quoi de voir Geneviève de Fontenay? À part cette demi-molle hein, que vous cachez facilement. Non, demi-molle. Monsieur, parfaitement. Comment vous avez vécu, vous, dans votre pays, merci. Cette embrouille terrible, l'affaire de la salope? Oh non. Ça a eu des répercussions mondiales. Oh ben non, oui, c'est dans le monde entier. Non, 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 c'est, non, c'est, non, c'est. Oh ben oui. Je vais prendre une bière, moi. Vous avez des chopes. Ouais, ouais. Merci en tout cas, voilà, on va demander aux touristes maintenant de libérer le studio. Merci beaucoup. Pierre, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre. Bizarre. Ah, c'est notre copain Pierre, eh oui. Ah, c'est Pierre. Mascotte. Comment ça va, Pierre? Bien, et toi? Super. C'est une bonne t'as une question, Pierre? J'avais une question pour Geneviève. Quand est-ce, non, quand Pierre, est-ce on ne dit pas Geneviève. Pour la première fois. On dit Geneviève. D'accord, Pierre? Vas-y. Quand est-ce que vous avez vu la Tour Eiffel pour la première fois? Oh, bah à la construction, Pierre. Oh. Il y a déjà un moment, tu sais, que j'ai vu. Il y a un moment. Je pourrais pas te dire, mais à peu près plus de 50 ans. En tout cas, c'est une bonne question, Pierre. On t'envoie ouais. un poney. Voilà. Je te fais un gros bisou. Pascal Selem. Je crois qu'on a allô. Pascal Selem en ligne. Qui est... Où êtes-vous, Pascal? Je suis à l'étoile, là. Mm-hmm. D'accord. Alors... vous voulez nous décrire un peu Paris? Quel est le but de cette rubrique à part nous piquer 500 euros? Je n'ai pas bien compris le principe. Parce que... bah, c'est toi qui m'as demandé d'aller dans Paris. Je me pèle le cul. Voilà. Y a... si tu veux que je te dise, il y a un édifice même pas terminé. Qu'est-ce que tu veux? Un peu d'histoire sur le. Sur, Alors il n'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou au milieu, c'est ça? Ouais, il y a un trou au milieu. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fenêtre. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais il y a une belle terrasse quand même. Ouais, il y a une belle terrasse. Ah ben voilà. Il ouais. Mmh. y a pas mal de gonzesses. Et en revanche, alors, ils ont mis un truc en plein milieu, en bas. Mmh. Il y a une sorte de stèle, je sais pas. Un barbecue, truc. Non? Ouais, un barbecue. Voilà, ça c'est bien. Oui. Ça c'est pas mal. Tu sais d'où ça vient le monument aux morts, Pascal? Le but, non, pourquoi on l'a posé là, cette merde que tu dis au milieu, c'est justement parce que l'Arc de Triomphe, c'était l'endroit où par où passait la Grande Armée, d'où la venue de la Grande Armée de Napoléon, puis toutes les armées, d'ailleurs on a l'image des armées allemandes en 40 quand elles sont installées à Paris, elles passent, elles ont contourné l'Arc de Triomphe évidemment, mais elles passent dans cette grande avenue, et c'est après la Première Guerre mondiale qu'on a décidé de fermer l'Arc de Triomphe. Donc au passage, on ne pouvait plus passer par l'Arc de Triomphe pour montrer que c'était vraiment la DRDDR et qu'il n'y aurait plus de défilé d'armée. Ta rubrique n'a aucun intérêt, ouais. Essaye de... S'il y a un truc qui peut être rigolo, je peux aller à Pigalle si tu veux. Ouais. Si tu veux, d'accord. Ah, c'est sympa. Okay, ouais, je suis, avec les 500 euros, je vais faire quelque chose de sympa, quoi. À tout à l'heure. Les travesseurs sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Place d'Italie, sonne bien. Maison blanche, le crème, Michel. Paris. Et Vincent, bonjour. Comment ma feuille? Bonjour. Ta question, Vincent. J'ai une question pour madame de Fontenay. Elle t'écoute. Oui, j'arpente les rues de Paris depuis des mois et des mois et je n'ai toujours pas trouvé un bon chapelier. Ah. Alors, comment s'appelle ton modiste? Ben, il est mort. Non, il s'appelait celui qui a créé le chapeau, il s'appelait Daniel Masson. Oui. C'est un garçon charmant qui est mort trop jeune. Et celle qui fait le chapeau maintenant, qui a récupéré le moule, ça s'appelle le fondu. On dit pas la moule. Non, on dit le chapelet. Ça s'appelle le Fontenay. Et c'est la grand-mère de Maréva Galanter, Albertine Galanter, qui a 87 ans, qui me les fait. Et on peut s'en acheter, nous, si on demande. Non, on ne les vend pas. Ah bon? C'est des pièces uniques. Mais nous, si on veut acheter un de Fontenay, on ne peut pas en acheter. Non, il ne se vend pas.
Ah bon ? Non. Mais nous, par exemple, sur et Bernard. Albertine, il y en a qu'un qui a été fait, c'est celui qui est au musée Grévin. Ils l'ont fait spécialement pour le musée Grévin. Merci Helmut d'être passé nous voir. Merci. Je vais rester sur Il est mort. Hein, c'est la rencontre la meilleure de l'émission. Merci beaucoup. Allez. Allez. Julie. Oui. Il y a combien dans la cagnotte ? 1 346 794 euros. Je triple cette somme. Ça commence. 1 346 794 euros. Tu triples ? Ni allô, ni bonjour. 4 040 382 euros. C'est beaucoup d'argent. J'écoute. Allô ? Oui ? Bonjour ? Allô ? Oui, oui, bonjour. Bonjour, madame. Oh, quel dommage, madame. Oh. Aïe, aïe, aïe. Vous nous avez fait très peur. Si c'est pour vous foutre de moi, hein, vous me foutez tout de suite. Mais non, madame, on ne se moque pas de vous. On vous appelait pour un jeu. On a eu peur parce que vous n'avez pas dit allô et vous avez fait gagner une grosse somme d'argent. On était plus inquiets que moqueurs. Foutre de moi. Ça suffit hein, de ce fiche de moi, là. Je vous explique. Je m'appelle Laurent Bavy. Je travaille pour Europe 1. Et on fait un jeu stupide qui s'appelle le ni allô, ni bonjour. Et je pensais vraiment que vous étiez briefé. Je ne savais pas comment on allait se sortir de cette situation parce que vous avez dit oui, vous n'avez pas dit bonjour. Finalement, vous avez craqué, vous avez perdu. Tout est bien, qui finit bien. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie ? Il y avait 4 040 382 euros. Non, mais vous vous foutez de moi. Allez, bonsoir. Bonsoir et à plus tard. Oui, merci. À bientôt. Va te coucher. Je t'aime, je t'aime. Merci, Laurent. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Très contente. Un petit mail, tiens, un petit mail. Bonjour, vous pouvez m'appeler, je suis sûr que je ne me ferai pas piéger par toute l'équipe, j'espère que vous m'appellerez Clémence. Clémence, on va tenter Clémence. Tu vas dire allô toi pour essayer de niquer quoi, pour pas... pour garder l'argent en un mot. Allô. Oh quel dommage, Clémence. Ah mon Dieu. Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Tu sais qui c'est ? Oui. C'est qui ? C'est Europe 1. Oui. Tu as quel âge, Clémence ? J'ai 19 ans. Tu as 19 ans ? On ne dirait pas. Je dirais qu'elle avait 12 ans, moi. Tu fais beaucoup plus, hein. Mais là, tu viens de prendre un sacré coup sur le dos. Alors, je relis ton mail, vous pouvez m'appeler. Je suis sûr que je ne me ferai pas piéger. Je suis sûr que je ne me ferai pas piéger. Voilà, on t'appelle et tu t'es piégé. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie ? 96 millions. 969 168 euros. Pas trop déçu, Clémence ? Non, ça va. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudiante. En quoi ? En pharmacie. Tu te drogues, Clémence ? T'as l'air complètement défoncé. Non, non, mais je suis triste. Tu es triste ? Oui. Mais Clémence, en même temps, tu sais bien que ce jeu est une escroquerie que personne ne gagnera jamais, tu le sais. Bah oui, mais je pensais que j'aurais un petit espoir. Pff, non, ça peut pas marcher. C'est pas ça la vie, Clémence, tu sais. Je te trouve bien naïve. Tu peux le dire à Clémence que le vrai bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Voilà. Et lui, c'est... Ah, c'est beau. Et puis le vrai bonheur, c'est simple, comme un coup de fil. Ça, c'est mais oui, on sent qu'elle est malheureuse. Clémence, t'as un petit copain ? Non. Non ? Comment ça se fait ? Je sais pas. Combien de temps que t'es célibataire ? Depuis toujours. Non. T'as jamais eu de petit copain ? Non. Comment ça se fait ? Ben, j'en cherche pas. Elle a rien trouvé. De bien. Oh, c'est pas très gentil. De bien, de bien. C'est Geneviève de Fontenay, non, elle dit que... De bien. Tu chercherais un type de quel style, Clémence ? Je peux te proposer, bah, moi. Je suis pas compliquée, hein. T'as l'air consentante, en tout cas. Tu aimes bien les frères Bogdanov ? Ah, non, pas du tout. Bon. On va procéder par élimination. Tu aimes bien Laurent Deutsch ? Bof. Et Laurent Baffi ? Si, ça va. Mais vous êtes trop âgé pour moi. Ah. Eh, par contre, moi, j'ai 30 ans. Clémence, 4 ans d'écart, c'est pas rédhibitoire non plus. 4 ans, c'est pas possible. 5 ans ? Pas plus.
Vas-y, passe des coups de fil, Julie. Hein. Regarde, filme-la, Julie. J'ai pas fini. Regarde, Julie, en plein boulot. Non, j'ai pas fini. C'est qui, Julie? Okay, c'est mon amoureux. Hein? Pardon? Bah, passe-le-moi, pas, hein. Passe-le-moi. Mais attends, non, c'est son anniversaire. Aujourd'hui? Oh, mais oui. Puis elle est là, aujourd'hui, ouais. Julie. Alors, attends, on va le mettre. Attends, attends. Gérard! Salut. Écoute le public. Happy birthday to you, Gérard. Happy birthday to you. Gérard, tu as quel âge aujourd'hui? Non. Il n'y a plus de numéro, ça, Jean. Tu as quel âge aujourd'hui? Oh, ça se dit pas. Ça... Non, mais dis-moi, dis-moi, on s'en fout. Un an de plus que l'an dernier. Non, mais ça te fait quel âge, Gérard? T'as quel âge? Curieux. Pardon? 58. Oh, bah, c'est bien. Et Julie? On va bien les avoir. Oh, ta gueule. Non, tais-toi, toi. Ne te regarde pas. Joker, Gérard, allez. Mais dis-moi, elle est beaucoup plus âgée que toi. C'est toi. Vous avez combien de différences? Arrête. Toujours dans la discrétion, Lolo. Arrête. Rejoins-nous à Europe 1. Bah, on oui, a un cadeau pour toi, Gérard. Tu connais ton cadeau déjà? Comme chaque année. Bah, ta petite gâterie ce soir. Arrête. Julie. Non, je vais acheter une fourche à fagot. Ah, t'appelles ça comme ça, toi? Non, c'est une fourche. Parce qu'il collectionne les outils paysans. On a un comment petit il doit se faire chier. Et je lui ai acheté une fourche à fagot. C'est une fourche c'est qui a... C'est... Quoi? C'est vous dire si c'est l'amour fou, elle m'a offert un vieil outil, disons. Ça t'en fera deux, on t'embrasse. Qui a gagné entre Annick ou Augustin? Faut les voir, ces fusils rouillés qui clignent de l'œil au feu. Ça, c'est Mireille Mathieu, ça. Sur les barricades qui jaillissent dans les rues. Ou Augustin? Doménil, Bel Air, Nation, ligne numéro 7. C'est tout à fait différent. La Courneuve, oui. 8 mai 1945. Tous les deux, ils sont des Aubervilliers. Exemplaires. On n'a qu'un portable. Qui vote pour Augustin? Moi, je vais pour les deux. Ex aequo. Augustin, voilà, j'ai deux nouvelles pour toi. Un, t'as perdu, deux, t'as perdu comme une merde. Ah oh non, il a perdu, lui? Non. Oui. Mais non, il en a dit qu'il y avait. Écoute, Augustin, qui vote pour Augustin? Oui. Oui. Augustin. Qui vote pour Annick? Oui. Non, non, non. Oh. T'as paumé, Augustin, on va quand même te faire un cadeau, mais ce sera pas un portable. Ça sera un coffret okay. Happy Box. J'entends pas avec l'autre qui chante, en fait. Avec l'autre qui chante. Le téléphone portable LG Secret pour Annick, donc. Hein. Et le livre des frères Bogdanov. Oui. Et moi aussi, hein. Ah ben non, elle a le LG. Au commencement du temps. Au commencement du temps. D'ailleurs, on y retrouve pas mal de rues de Paris. Tels qu'on les revisite en plongeant vers le passé. Parce ouais. Que, bon, il est vrai que... Est-ce que toi-même, tu comprends ce que tu dis? Sois franc, tu comprends rien. Non, mais, allez, parlez franchement. Merci beaucoup, merci Geneviève. Oh, merci beaucoup, merci. Laurent Deutsch. Merci à vous. Tu as une fois de plus épaté par ton érudition et ta passion. Merci Igor, merci Grishka, merci Julie. Merci, ciao, à la semaine prochaine! That's it, man.